Yes, sir! Et la caméra qui a gelé encore une fois, mesdames, messieurs! Même si on a tout fait pour que ça marche pas, j'espère que ça va bien tout le monde. Donc, regardez bien la caméra, là, on va la changer, je pense, à partir de maintenant. Puis, on va juste l'arranger. Donc, j'espère que ça va bien. Puis là, pour aller là-dedans, je dois aller dans Modifier. C'était ici. Puis, on va appeler ça ici, la désactiver, l'activer. Là, ça devrait marcher. Là. Ça marche pas. OK. Parce que tu l'avais nommé grosse face, je pense. Là, tu es sur l'ancienne. Non, non, ça, c'est la caméra, ça. Non, mais à gauche, c'est des sources. Yes. On sera pas long, les gars. On essaie de régler la. Juste en faisant une autre, non? J'espère que ça va bien! 31 spots de prix, donc sold out à soir. Donc, premier sold out de Savage Break Cards, Card Breaks. Salut Steven! Donc, j'étais avec Hugo qui va pouvoir vous discuter un peu sur le chat plus que moi. Là. Il regarde ça plus que moi et puis lui va servir à mettre des beaux sleeves sur vos photos. Donc là, si je fais ça de même, puis que je fais grosse face, acheter une source. Donc là, vous devriez me voir en gros là. Et là, j'avais. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Il y a. Déjà, ça fonctionne. Donc, on va rapetisser ça. Comme ça. La belle face. De ça, te couper les cheveux cette semaine. Ah, on le verra pas. Désolé. Ça va pas loin, les gars. Sinon, au pire, là, si ça marche pas, je vais juste arrêter la caméra. Puis on va juste voir les cartes. Fait que c'est ça qu'on veut, by the way. Là. Fait que transformer. Flip horizontal, rapetisser, bon! Ok, donc on va commencer. Donc, bienvenue au break, madame, messieurs. Donc là, tout est déjà préparé. Vous voyez ici, on a nos toute la liste de tous ceux qu'on va remercier pour aujourd'hui. Ils sont en ordre que vous avez demandé. Pour ceux qui voulaient, qui sont plus superstitieux. Fait que premièrement, on a Pierre, Daniel, Cadieux, donc père et fils. Donc bonjour à vous. Marc-André Taillefer, Martin Arsenault, Dominique Caron, Gino Lévesque, qui a eu la Suzuki la dernière fois, Steve Thérien, qui est à son troisième break en trois journées avec nous. Merci bien, Steve, on apprécie ça. Sébastien Vachon, deux spots de suite pour Nicolas Bédard. Ensuite, Alex Abran, qui était là aussi la dernière fois. Sébastien Vachon encore. Maxime Jonf, qui était là aussi à l'autre break. On te remercie. Yann Caron, mon cousin, soit dit en passant. Meilleur homme au monde, après Dominique qui est son frère. Nicolas Bédard, Maxime Marlot, une faute dans ton nom, je m'excuse. Francis Davidson qui était là aussi, Dominique Caron, le frère de l'autre. Ah, Maxime Marlot, Marlot encore, Jeff Ricard, Fred Côté, Maxime Pelletier, Nicolas Bellin, Chris Rochon, salut Chris, j'espère que tu vas bien, t'as sûrement passé une belle journée en hiking encore. Yann Caron, Nicolas Bédard, Jean-Michel Fréjot. Maxime Marlot encore, Nicolas Bellin, Steve Thérien, Simon Leduc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler pour savoir l'ordre de où ils vont se retrouver. Donc la première équipe va se retrouver avec les Ducks, ensuite les Coyotes, etc., etc., comme la dernière fois. Donc on va rouler les dés pour vous autres. Roll the dice. Minimum faut que ça soit en 3, au 3, fait que c'est 7, fait que c'est parfait. Et on y va pour le giveaway. Bonne chance, puis merci à tous les nouveaux membres qui ont participé à leur premier aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugo, il fait dire merci beaucoup. Ouais. Si vous n'avez pas compris. Je suis une personne très reconnaissante. Yes. Donc, il reste un final round. Donc, là, c'est ça qui va indiquer vous allez être où. Donc, Francis Davidson se retrouve en haut. Puis, on va copier ça ici. On va mettre ça ici. On va coller ça. Et on va aussi changer. On va le mettre plus gros pour que vous puissiez le voir. Ensuite, on va le mettre en Arial. Arial Black. On va aussi augmenter ça ici pour que vous puissiez tout voir. Là. Je vais même l'agrandir pour que vous puissiez voir comme il faut. Là. Donc, si je le mets plein d'écran et que je diminue ça, on va tout pouvoir le voir. Donc, ça, c'était tous les noms de tantôt là, que j'avais copiés d'une mauvaise façon. Donc, Francis Davidson, il se retrouve avec les Ducks. Chris Rochon. Les Coyotes, Yann Caron, les Bruins, Jean-Michel, les Sabres, Nicolas, les Flames, Steve Thérien, Hurricane, Daniel Cadieux, Blackhawks, Fred Côté, Avalanche, Martin Arsenault, Blue Jackets,
Ensuite, Alex Abraham, les Stars. Nicolas Bellan, Red Wings. Nous, les Vikings, les Oilers. Donc, lui qui avait les Canadiens, là, les Oilers. C'est une grosse prise. Sébastien Vachon, Panthers. Maxime Jonf, les Kings. Dominique Caron, le Wild. Yann Caron, les Canadiens de Montréal. Simon Leduc, Predator. Nicolas Bellan, Jersey. Pierre Cadieux, Islanders. Marc-André Taillefer, Rangers. Nicolas Bellan, Sénateur. Philadelphie, Maxime Pelletier. Pittsburgh, Sébastien Vachon. Nicolas Bédard se retrouve avec les Sharks. Les Blues vont à Maxime Marleau. Dominique Caron se retrouve avec les champions de la Coupe Stanley. Tampa Bay, Toronto, Steve Therrien. Maxime Marleau va avec Vancouver. Jeff Ricard s'en va avec Vegas. Maxime Marleau, Washington. Et les Jets sont pris par Nicolas Bellard. Donc, on est prêt à commencer le break. Donc là, aujourd'hui... Je vais copier, effectivement. C'est ici. Là, on va faire le défilement pour ceux qui vont se poser des questions. Vous allez avoir le break comme on avait fait avec le défilement la dernière fois. Donc là, je me retrouve ici. Je m'en viens ici pour être sûr. Oh shit. Okay. Donc, live C, on y va. C'est parti. On arrive avec les paquets de cartes. On va placer le défilement. Ça ne sera pas bien long. C'est qu'on répète, aujourd'hui, on a une Ice, une série 1. Une trilogie, une allure, puis on a le case de Engrain. On va choisir la boîte ensemble tantôt. Yes, puis aussi Steve Therrien qui va en prendre une. Donc, il va pouvoir choisir après le break laquelle il veut. On va lui donner le choix. Donc, si je fais ça ici, ça devrait fonctionner. Terminé. On va le regarder défilement. On va mettre ça comme ça ici. Peut-être plus foncé. Ouais. C'est sûr qu'on va mettre ça plus foncé. Je sais pas pourquoi il a changé de couleur. Ou c'est peut-être la grosseur. La grosseur est pas, c'est bon, ça c'est correct. Je pourrais pas dire. Pas grave. S'il y a des questions, le monde, on leur demandera. Parfait. Donc, ça ici, je mets ça là. Je vais mettre ça comme ça. Je vais le faire passer ici. Est-ce que vous êtes capable de lire les noms ou ça va être difficile? C'est sûr qu'avec ça, ça va pas bien quand il y a du noir en dessous, mais sinon, ça ressemble à ça. Puis, on va juste fermer ça ici. On dirait qu'il est comme tout croche. Ouais. Enlève-le, c'est pas la fin du monde. Okay, s'il le demande, je vais leur dire. Parfait. Si vous ne souvenez plus votre équipe, on va juste. Tout simplement. Vous le dire. Donc, ok, on commence. Donc, on va ouvrir le paquet d'Engrain de suite. J'ai besoin de mon exacto. Et c'est parti, mesdames, messieurs. Donc, là, tu devrais lire aussi les commentaires. C'est ça. Pour moi, peux-tu le mettre les pieds dans le bord? Yes. Donc, une belle petite boîte de Engrain ici. Donc, nous, on va prendre celle à droite ou à gauche, ou à droite ou à gauche. On va prendre celle-là ici. On a pris celle à droite comme la dernière fois. Et la dernière fois, ça avait été payant. Ok. Donc, on n'ouvre pas la Engrain en premier. On fait juste ouvrir la boîte pour vous montrer la Engrain qu'on a pris. Puis elle, on va la ouvrir en dernier. Dominique, c'est sûr qu'on va l'ouvrir en dernier. Donc, on va commencer avec la Young Gun ici. Puis, on va mettre ça ici, puis là je vais pouvoir. Là ici on va pouvoir mettre les teams, mon chummy. Donc ils vont être ici. Putain, tu vas pouvoir les voir, puis je vais pouvoir l'agrandir. La blonde est ici, qu'est-ce qu'on va pas bien? C'est l'éclairage. Non mais là, c'est... moi je pense que l'éclairage est parfait. Est-ce que vous voyez bien les gars? Donc, dans ce paquet-là, on a beaucoup de cartes. Fait que ceux-là, les Young Guns, on va faire ça vite. Donc, tout ce qui est normal, on va les passer vite. Donc, et puis le reste, on va... Après ça, on va prendre plus notre temps parce que c'est les cartes qui sont dites plus régulières pour nous. Donc, on va placer ça ici. Et puis, tout le long, là, inquiétez-vous pas, ils vont être dans des sleeves que mon collègue Hugo va faire pour que ça puisse accélérer notre premier break. Notre premier break. Sold out, mesdames, messieurs. Donc, on commence ici. Donc, première carte, Vegas. Donc, ça, c'est Mark Stone. Donc, on peut la voir ici. Ensuite, une Alexandre Radulov, mesdames, messieurs. Pour le premier paquet, là, même les régulières, je vais les montrer juste pour que ça soit, qu'on puisse voir comment ils sont. Donc, une Noah. Affinine. John Kingler. Ensuite, une Shea Weber. Donc, Yann Caron qui a une belle Shea Weber.
Ensuite, on a une Logan Couture, puis il y en avait une qui m'avait passé entre les mains, qui est une Philip Meyer des Flyers de Philadelphie, donc une Udy Parkett Rookies. Premier de la soirée, Maxime Pelletier, félicitations. Donc, Maxime Pelletier qui reçoit une belle Rookie Young Gun. Deuxième paquet. Ah, c'est ici, on l'ouvre ici. Donc, première carte, fraîchement repêchée, donc hier, pris sa retraite, j'en avais pogné une hier, donc on a une deuxième ici derrière Lucas. Peut-être pas la dernière de la soirée en plus. Donc, ensuite, tiens, on va avoir une Tyler Bertuzzi. Oh, donc ici on a une Brett Pierce des Hurricanes de la Caroline. Donc, belle carte. Une Patrick Roy, donc le Canadien qui a une belle Patrick Roy. Je pense qu'on les envoie pas les bases. Ensuite, on a une belle petite carte ici là. Je vais vous montrer ça. C'est comme sporty un peu. Donc on a une petite Vegas. Ok, nice. Donc ici on va avoir une Max Pacioretty et une Mark Stone. Donc une Clean Cut Foundation. Clear Cut, c'est vraiment rare dans la série 1. Donc une belle carte de Vegas. Je suis content parce que Vegas, ils ont souvent des. Ils ont pas beaucoup de cartes. Fait que quand ils en ont, wow. J'aime ça quand c'est des belles cartes. On va tout mettre ça dans un sleeve. C'est mon chum Jess Richard. Donc, Mark Giordano. Troy Stitcher. Et une Cassie Middlestad. Donc, good job là, pour la carte de Vegas. Belle carte ça. Mais ouais, c'est vraiment rare les clear cuts. Donc, juste pour être sûr, les coins, on veut faire attention à ça. Hein. Donc, ici, on y va. Donc, une Louis Eriksson. Donc, ses meilleures années sont derrière lui. Ensuite, une petite Hampus Lindholm. Donc, j'aime bien ce joueur. Et on va avoir une Danner Nurse. Donc, gros défenseur physique. Ancien choix de première ronde. Et ensuite, en dessous, on a une petite carte qui va être le fun à voir. Donc, c'est une petite... une petite... Wayne Gretzky! Donc, une petite Gretzky ici, qui a une photo de la finale de la Coupe cette année avec les Kings en 93. Malheureusement... Les Canadiens ont gagné. Les Canadiens ont gagné, ou heureusement, mais malheureusement pour lui. Donc, ce que je vais faire, c'est... je vais enlever mes doigts, là. Regardez ça ici, là. Est-ce possible de juste fermer la lumière qui est là? Parce que ça fait des reflets oranges. Non, non, pas celle-là. Ah, ok, cool. Donc, voici, on va la mettre dans un sleeve. Ensuite, on a une Matt Dumba. Une Max Pacioretty. Donc, une belle Max Pacioretty. Donc, Vegas populaire. Le Philippe Dano. Le premier ou le deuxième ou le troisième centre du Canadien. Ensuite, Martin John. Qui, là, s'assure du premier poste de gardien avec Jack Allen à Montréal. Elton John, t'as dit? Elton John. Elton John. Bon, j'espère que tout le monde a passé une belle journée. Moi, ça a été une belle journée. Il a fait beau, un peu. En tout cas, quand il fait soleil, moi j'aime bien ça. Puis il a fait un peu soleil quand même, dans l'après-midi. Donc, on voudrait remercier tout le monde qui participe au break. C'est notre premier break plein. Ça fait même pas une semaine qu'on a commencé. Donc, on est bien content que vous soyez au rendez-vous. Puis que, tu sais, faut pas oublier qu'on est encore débutant. Fait que s'il y a de quoi, nous dites-nous-les, on va essayer de s'améliorer tout le temps. Monsieur Talfer, vous avez les New York Rangers. Yes, habituellement, il y a une liste, là, parce qu'on voit la liste, mais là, en ce moment, ça a mal sorti, puis on voulait commencer le break pour pas que ça soit trop long. Fait que, une belle Alexandre de Pietrangelo. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à le dire, même si je sais c'est qui. Agent libre. J'espère qu'il va finir avec le Canadien. Donc, Keith Endel. Donc, un autre agent libre. Une petite Matt Calvert. Gros tough, ça. Et puis, on a une Patrick Kane. Nice. On a une belle petite Patrick Kane ici. Patrick Kane. Ensuite, Gino Lévesque. Tu as les Oilers Edmonton. Mais là, regardez, j'avais passé une petite carte en dessous là, de Matt Alpert. Donc, je vais vous la montrer. Là. C'est une Sam Reinhart des Sabres de Buffalo. Ensuite, on a une petite Patrick Kane portrait. Dread dans sleeve. Dread dans sleeve. Dougie Hamilton. Nicolas Hélère. Et une Tyler Bozak.
Mais là, pour les régulières, là, ça va aller vite parce que sinon, on va en avoir pour 2 heures. Donc, à partir de maintenant, je vais les passer quand c'en est pas des intéressantes. Donc, ça ici, je vais passer ça. Ouh, on a... Donc, ici, une Brain Chain, on va passer ça. Et en dessous, nous avons une belle carte. Une petite Oliver. Ekman Larsson. Pour moi, qui est le meilleur défenseur dans l'association Ouest. Donc, une belle. Bravo, Coyote. Beau, belle carte jersey. Donc, on va mettre ça dans une sleeve tout de suite. Donc, Darren Helms. Oh. Puis, Ryan. Désolé. Parce que je savais pas c'est quoi son nom. J'ai dit Désolé. Donc, merci encore d'être là. Donc, Brad Marchand, normal. Zach Bozin, normal. Rackin, normal. Jordan Will, le gars de Powerplay à Claude Julien. Normal. Ici, une petite center Shooting Stars. Donc, Tampa Bay Lightning. Yes. Donc, 5 stars. Dominique Caron, félicitations. Dom Caron. Ensuite, on a une Yanni Gourde, récipiendaire de champion. Ensuite, une petite Michael Grandin. Et une Rain Rust. On va passer au paquet suivant. Donc, quelqu'un qui parle d'une carte à 100$. Là. On parle de laquelle ici là? La Shooting Star. Yes. Donc, Fast, Lindblom, Philip Forsberg, une Young Gun. Donc, une Young Gun, Tampa Bay. Donc, bon, ça, c'est Dominique Caron encore. Yes, Dominique Caron. Dominique Caron, donc, une Carter. Passe la grappe. Donc, et voici. Une Léo Komarov. C'est fou comment ce gars-là a d'avoir 58e, mais non. Ok. Ensuite, une petite Nolan Patrick. Est-ce que ça va être le plus jeune retraité de l'histoire de la Ligue nationale? Peut-être. Philip Grubber. Et on a une petite Carter Hart ici, très populaire en ce moment dans les cartes. On passe au paquet suivant. Ok, donc il parlait de la carte. Ouais, c'est ça, Max, tu disais la carte à 100. Alex Killer. Non, il niaisait, il parlait de. Sean Couturier, Eric Stahl, Young Gun, Carson Trojski. Deuxième Young Gun. Donc je vais placer ça ici. Tyson Just, Palat. Je peux pas en passer une. Petite Mackenzie Blackwood et pour finir, une petite Rasmus Dahlin. Sérieuse de Philadelphie, Max Pelletier. Félicitations. Je pense qu'il faudrait que tu mettes la liste là. Parce que je vois pas super bien là-bas. Mais c'est pas grave. Donc, Morgan Riley. Ensuite, Nugent Hopkins. Tyler Johnson. Energy, Matthew Barzal Islanders. New Félicitations. York Islanders. Ensuite, ça, c'est Mike Hoffman. C'est Mike Hoffman. Connor Sherry. Carcy. Et Andrei Smichnikov. Qui s'est fait casser la gueule il y a 2 ans par Ovechkin. Monsieur Cadieux, félicitations. Quand je connais pas les noms, des fois, là, quand c'est des recrues que je sais pas comment les dire. Là, il dit meilleur, Max, je suis le meilleur joueur de l'histoire du CH en avantage numérique. Yes, il y a Kovalchuk avec les Kings, donc il y a déjà 2 équipes plus loin, 3 l'année prochaine. Nick Lody. Ensuite, Kamat Gibson. Oh. Oh, une petite canvas. Attends, non, il est pas encore là, je l'ai pas spoilé. Donc, Oliver. Et une petite canvas de Jamie Benn. Nice, sa punition. Sa punition, il a coûté cher dans la fois. Lancement, là, c'est sûr que je vais pas, je vais aller vite avec les Young Guns parce que c'est pas des belles. Le monde, c'est ça qui vole aussi. Mark Stahl, donc c'est ça. Donc, il y en a un tabarouette des paquets, man. C'est bon. C'est juste parce que je veux que tout le monde soit content, de, mais en même temps, hein. Donc, c'est sûr que les normales, on les envoie pas. Donc, ok, donc une petite Ryan Reed. Marceller, Roussel, une Young Gun! Nick Ritchie. Rangers de New York, qui est à Marc-André Taillefer. Donc, une. Ça va falloir passer au hasard entre ceux qui ont Toronto et les Flames pour savoir qui va l'avoir. Donc, une petite Series 1 checklist entre Gaudreau et Matthews. Tory Krug. Et voilà. Yes, Tom, je suis bien content. Je sais que tu payes pour le show avant tout, mais
C'est sûr qu'on en a beaucoup là, des paquets, fait que, puis les bonnes cartes s'en viennent. Je veux que vous soyez contents qu'on va arriver aux bonnes cartes, que vous ayez de l'énergie. Darkin, Short Energy, Claude Giroux. Claude Giroux, les Flyers, qui sont à. Flyers sont à Max Pelletier. Yes, donc Gustafsson, Pavel Zruste et TJ Oshie. Belle petite carte et Jason Zucker. Ben oui, quand on va vite, on essaie de. Y a des noms comme ça là, qu'on dirait que je suis pas capable de dire, comme Valizyski, le gardien des Flyers, des Tampa Bay. Donc, Valizyski. Ok, on passe, on passe, on passe. Ensuite, on passe. Canva ici, de Brady. Okay. Ils vont-tu me donner des cartes que je suis capable de dire? Là, ils lancent des t-shirts. Donc, Cam Fowler, Connor Kolbe, Nico Hoskinen. York Rangers encore. Marc-André, vous allez faire. Je pense que c'est les Rangers, monsieur, vous allez faire. Ouais, mais là, Maxime, qui voit toutes les cartes au complet, là. En fait, ceux-là, on les envoie pas, là. Ceux qui sont là, parce que c'est des régulières. Là. Fait que ça sert à rien. Je les envoie une Kotkaniemi, Paul Sachny. Young Gun! Gun, Ryan Poehling, mon joueur préféré! Fortnite Boy! Ryan Poehling! Et ensuite, Nick Bonino. Marjorie vient de se joindre. Tant mieux, man. Fait que nos deux blondes nous regardent. Mais moi, j'en ai deux. Nos trois Ben, blondes c'est nous ça. regardent. Chara, Domi, Corey Crawford. Fait que dans le fond, on fait juste présenter les hits. Là. Donc, Oh, Carey go Price! Price! Carey Price! You Carey Price! Portraits! Carey Price! Avec le biscuit! Carey Price! P7, Carey Price! Le gars à 11 millions! Ensuite, régulière, régulière, régulière. Fait que j'espère que vous allez être prêts pour le break de dimanche. On devrait essayer de sortir ça à soir ou demain, là. Energy! Energy! Alexander Barkov! Pour les Panthers à Florida! Qui est les Panthers? Florida, Sébastien Vachon, félicitations! Good job! Ça s'en va direct chez vous! Les Vermin Dykes, Barzal, et Linden. C'était comme genre. Rochon est comme non, on monte toutes les cartes! Mais je suis comme ouais, mais. Il y a Rochon qui l'écrit en. Ah, c'est jaune, c'est jaune. Donc, Rochon, on a vu que ça arrive vite, il veut juste savoir s'il y a des bonnes cartes ou pas. Sinon, le reste. Yes. Ensuite, régulière, régulière, régulière. Young Gun! Donc, Martin Virovi? Vary? Donc, Washington. Ouais, donc, Washington. Maxime Marleau. Donc, good job. Max Marleau. Ensuite. Ok. Donc, c'est tout des normales. Dans des rares cas, là, les normales, là, dans le fond, là, on les envoie pas. Là. Merci, Marc-André Taillefer. On est à jeun. Maxime Davin, il pense que. Ok. Ouais, il dit qu'on est en feu. Ben, on peut être en feu. À jeun. Yes. Ok, donc on va passer au suivant. Donc, régulière, régulière. Achetez vos lois. Petite Canva. Donc, le gars que je sais dire son nom, André Vasilevski. Je l'ai bien eu, je l'ai bien eu. Lightning de Tampa Bay qui est à Dominique Caron. Donc, félicitations, Dominique. Passe à gratte. Ok, ça c'est des cartes normales, on va mettre ici. Parce que ceux qui sont, dans le fond, là, tous les groupes de break, là, dans le fond, toutes les cartes régulières, ils les montent pas parce qu'on on va plus vite, puis on en aurait trop à montrer sinon. Là. Donc, surtout eux autres, ils en ont énormément. Là. J'ai vu une petite Energy. Donc, Energy, Patrick Lane, Winnipeg. Nice, Winnipeg Jet, qui était Nicolas Bédard, ou Nicolas Bédard. Nicolas, je pense. Ouais. Ça, Jordan Bennington. Avec les noms que tu sors depuis tantôt, on dirait que c'est plus Nicolas. Nicolas. Nicolas.
grand sortir alors. Ça, c'est un nouveau membre, Nicolas. Merci d'être présent avec nous ce soir. Je sais pas si ton chum Steve t'a expliqué, Nicolas et tous les nouveaux. Nous, on offre la deuxième chance. Next Generation. Timo Maher, donc ancienne gloire de la Ligue Junior Majeure du Québec. Donc, belle carte. Donc, félicitations, San Jose. San Jose. Donc, Nicolas Bédard encore qui se retrouve avec une belle petite carte. Donc, good job. Ou Nicolas? Alors, dis-tu, si c'est Nicolas, écris 3Y. Puis si c'est Nicolas, écris 1Y. Comme ça, je vais pouvoir le dire comme fou. Thomas Tatar. On avait, dans le fond, c'est marqué 19h. Mais oui, t'as raison. On va commencer à aller faire 19h parce qu'à 20h, on se rendait compte que ça finirait trop tard. Surtout au début quand on commence, là, parce que c'est plus long. Hein. Exact. Donc, désolé, Charles. C'est beau, non? Regarde, il a mis 1Y. Ok, Nicolas. Nicolas ou Nicolas? Non, c'est Nicolas. Nicolas. C'est que Nicolas, je sais pas si ton chum Steve t'a expliqué. Nous autres, on offre la deuxième chance, puis tous les nouveaux membres à soir d'expliquer. Si vous frappez pas un hit, qui est, nous autres, on considère qu'un hit, c'est une carte numérotée, un Young Gun, bien sûr, rookie, ou un patch ou une signature, on vous rentre dans un tirage, puis vous gagnez la valeur du spot pour le prochain tirage. Avalanche qui est à. Colorado qui est à Frédéric Côté. Donc, félicitations Fred. Donc par exemple. Fait que dans le fond, dans Young Gun, il peut avoir des bonnes cartes, mais c'est une ou deux cartes par paquet. Là. On s'entend. Là. Mais des grosses cartes, là, mais. Non, c'est ça. Donc, Rutger, lui, là, NHL 99, là, il allait vite en tabarouette. Ou genre 2004, là, 2008, là, j'utilisais, il allait checklist. Vite. Donc, checklist. Donc, Boston-Saint-Louis, donc ça, la dernière fois aussi, on avait battu. Ouais. Ouais. Fait que là, je sais pas si c'est les mêmes gars, mais je sais que vous allez vous battre pour cette petite carte-là, les gars. Je laisse. C'est mon Boston, je laisse. Petite Leo Fidel, on vous. Oh, une Canva, donc deux dans la même. Donc, une Canva de Sean Couturier, donc les Flyers de Philadelphie. Donc, Maxime Pelletier, belle petite carte, ça. Petite Canva. Félicitations, Max. Ok. Wayne, c'est un hit. Non, Wayne, c'est pas un hit. C'est pas numéroté. C'est pas une rookie. Ben, Wayne, il a quand même fait 2600 points. Là, les gars, c'est sûr que vous connaissez ça, mais je vais vous donner un petit. Je voulais faire une blague là, de connaisseurs de hockey plate. Là, vous dites, hey, c'est qui les frères qui ont marqué le plus de points dans la Ligue nationale? Là, le monde va dire les Hunters parce qu'ils sont 6. Mais non, c'est les frères Gretzky. Son frère Gretzky, Brett Gretzky, a joué. C'est-tu Brett, mais en tout cas, il a joué 7 matchs. Fait que les deux ensemble, ils ont plus de points que tout le monde. Que tous les frères ensemble. Donc, on s'en fout. Oh, j'ai vu une petite carte en dessous. En dessous de celle-là, on a un petit quelque chose. Donc, regardez bien. Une Colin White Next Generation. Next Generation. Donc, sénateur d'Ottawa, qui est à Nicolas Bellant. Donc, ouais, Nick Bellant. Il y a une différence entre Nick Bellant et Nick Bedard. Félicitations. Alex Chiasson, wow. C'est beau ça. Donc, dernier paquet, donc on espère qu'il y a un gros hit là-dedans pour. Salut Max, tiens, t'as joint à nous. Max Pelletier, salut. Donc, on passe. Donc, une petite train gets love. Donc, Anaheim, Francis Davidson, donc, les Ducks. Ils sont belles les UD Portrait. Ils sont comme un peu rétro. Ensuite, on passe. Donc, ça, c'était le dernier paquet pour les Young Guns. Et là, dans le fond, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent de la liste. Donc, je vais essayer de vous leur montrer la liste vite faite pour ceux qui viennent d'arriver. Non, dans le fond, fuck off. Là. Demandez-le. Je vais juste demander si vous ne savez pas si vous avez quelle équipe, juste nous le dire. Et on va vous le dire. Puis, si vous en avez plusieurs, dites-le. Puis on va regarder comme il faut, parce qu'il y en a qui ont plusieurs spots. Donc là, on va ouvrir la Allure. Donc hier, ça, on en a ouvert une pour Steve Terrien, qui s'est retrouvé avec des belles cartes. Donc, j'avais bien aimé la petite Orange Slice de Debrinka, numérotée sur 35. Donc dans ces paquets-là, dans ces boîtes-là, Allure, on va beaucoup avoir les jeunes. On
on va vraiment mettre l'emphase sur les jeunes. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de rookies. Il y a beaucoup de cartes de gars à leurs premières années. Donc, des hobbies en plus. Donc, c'est des bonnes boîtes. Donc, on sait que c'est des boîtes avec du succès. Donc, on te souhaite une autre de Brinka numérotée. Orange Slice. Puis, en plus, ils sont chromés. Fait que c'est des belles cartes en plus. Donc, Anthony Panarin, régulière. Top 50. Donc, Taro Arrows, Détroit. Donc, Red félicitations. Wings de Détroit qui est à Nicolas Bellin. Ensuite, on a une Red Rambo de Matt Dumba. Jersey. Mais en plus, Jersey. Donc, des belles cartes, ça. Une Red Rambo. On la voit pas quand c'est ta main, par contre. Oh, c'est désolé, guys. Donc, Mandeba, est-ce qu'elle est numérotée? No. Malheureusement, pas numéroté, mais ça reste quand même une carte relativement rare, donc une Dell. Madumba. Ensuite, on avait une Eric Carlson et Sergei Bobrovsky. Donc, ces cartes-là, c'est les cartes régulières, soit dit en passant, donc si je les passe vite, c'est pour ça. Donc, parce Dominique que... Caron, il dit Wark. Wark pour ça? C'est une belle carte, hein? Bah, peut-être qu'il n'aime pas le joueur. Donc, régulière. Rookie! Donc, Alexandre Texture. Ensuite, on a une Open Ice en dessous. Open Ice. Donc, là, ça, je vais faire attention, là, parce que maintenant, je vais utiliser les decoys, vu qu'on est rendu à des meilleures cartes. Puis, vous voyez, les decoys servent à ça aussi, mais elle a un trou dedans, fait qu'on voit en arrière qu'est-ce qu'il y avait, là. Ici, on a une Open Ice. Clayton Keller. Je le dis à chaque fois, mais c'est probablement mon joueur, un de mes joueurs préférés dans l'Ouest. Donc tu peux l'apprendre, je vais présenter l'autre. Yes, ensuite, sir. On a une White Rainbow de Alex Ovechkin. Nice. Est-ce qu'elle est numérotée? Malheureusement, no. Non. Beau hit pour Washington qui est Maxime Marleau. Yes, on va la placer ici. Ensuite, on a Cody Glass Rookie et une Carey Price régulière. Donc, Cody Glass Rookie ici. Lui qui était, comme j'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est lui que Bergevin voulait à la place de Suzuki. On est-tu content finalement, hein? Ça s'en va chez Jeff yes. Richard. Jeff Rickard. Je sais pas s'il est là un soir, Jeff, il m'a dit que peut-être il le regarderait pas. Donc on voit ça. Ensuite, première carte, une rookie, donc Max Verono. Maxime de son prénom? Maxime, non, il s'appelle juste. T'as une niaise, hein. Vas-y. Top 50. Donc, top 50. Donc, Brady Keeper. Ensuite, on en a une belle, là. OK? On en a une très belle, mesdames, messieurs. J'espère que vous l'avez pas vu. J'espère que je n'ai pas spoilé rien, mais c'est une belle carte, OK? C'est une top 50. Jersey. C'est une top 50 Jersey. Puis lui, en ce moment, il est bien en demande, là, sur des cartes sur Internet. Le gardien. Des Blue Jackets de Columbus. Zoom ça plus proche, mets ça plus donc, proche. Elvis. On va l'appeler juste Elvis. 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 Jersey. Nice. Donc. Top 50. Top pour les 50. Blue Jackets qui sont à Martin Arsenault. Arsenault. Félicitations, donc, Martin. Très belle carte. Lui, en ce moment, ces cartes-là, vous allez sur eBay, ils prennent de la valeur. On va te mettre ça dans un Top Loaders. Ensuite, c'est une rookie, Carl. Grandstrom. Et la dernière qui est une Nathan MacKinnon régulière. Donc, good job pour Elvis. Faudrait se partir une belle petite pile de hit, si on n'a pas grand chose. Yes, mais ça, c'est ta job. Ok, monsieur, ok. 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 Une rookie, donc Ren Pitlick. Mais là, je vais cacher les cartes. Parce que là, on veut le time, on veut des surprises. Hein? Là, on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être des surprises. Donc, prochaine carte, régulière, Braden Point. Une rookie, donc Fabro. Oh, on a Red Rambo en dessous. Fabro, Nashville. Nashville. Ensuite, on a une petite Red Rambo de Phil Kessel. Nice. Donc, Phil Kessel, qui est Arizona. Ouais, c'est où ça, Arizona? Ah, on le voit pas. Elle est trop basse. Arizona, c'est. Chris Rochon, Chris le gars Rochon. Qui fait du hiking. Ensuite, on a une petite rookie, Rudolph Belser. Et une Quinn Hughes rookie. Donc, les deux rookies, donc Ottawa et
Coyotes. Les Canucks. Canucks! Ouais! 2 piastres! Ouais, mais les rookies, par exemple, comme je disais, les allures, c'est des nouveaux paquets de cartes. Hein. Comme je disais hier, il a frappé Steve Therrien. Steve Therrien avait frappé. Donc, Steve Therrien avait frappé une recrue, justement, allure de Clayton, pas de Clayton, mais de Makar, qui a gagné le Calder cette année. Puis, mais ça va peut-être prendre la valeur parce que c'est une nouvelle édition. Fait qu'on, ils savent pas si ça va rester ou pas. Fait que les gars de cartes sont frileux avec ces cartes-là, mais ils peuvent vraiment prendre la valeur. Puis juste rappeler là, la table de Clayton Keller tantôt, là, ben, on est allé voir, elle vaut quand même 13$. Ok, donc on a une petite allure top 50 des tantôt pour Ramses Sandin. Et puis en dessous, on va avoir une. Je l'ai vu, donc on va avoir une petite white. White Rainbow. White Rainbow. D'un gars que j'aimerais voir à Montréal, Anthony Manta de Détroit. Détroit, nice. Donc, belle petite carte. Et si on regarde ici, on retourne. C'est pas numéroté, malheureusement. Mais Nicolas, quand même. Nicolas Bellan, Détroit. Yes. Félicitations. Ensuite, John Carlson et Brock Besser. Makar! Première carte, c'est quasiment sûr que c'est une rookie. Mais non, fallait me faire tromper. Donc, c'est une Jacob Vrana. Ensuite, on a une Cal McCarr ici, justement, rookie. Donc, Avalanche. De Allure. Donc, Colorado qui est à Frédéric Côté. Félicitations. De Côté. Ensuite, on va avoir une Allure Matthew Barzal. Et là, ensuite, en dessous, je sais que j'ai quelque chose. Winter! Donc, Winter Storm. Une Winter Storm de Brendan Gallagher. Brendan Gallagher's. Donc la carte là, comme fait voir, on voit comme une alerte météo. Le storm. Donc incroyable. Ensuite en dessous. Oh, on a-tu de quoi en dessous? On va avoir de quoi en dessous. En dessous, on va avoir Ice Out. Signature. Signé de Queen Hughes. Canucks. Good job. Nice. Vancouver, Maxime Marleau. Wow, elle est belle celle-là. Donc, vous voyez ici, là, j'aimerais, c'est une belle carte, là, mais j'aimerais ça qu'on porte attention à la signature, faite par un enfant de 4 ans. Donc, félicitations, Quinn, pour ta belle signature. Et on est numéroté! Quoi? Sur 50? 4 sur 50? 4 nice. Sur 50! Big Savage Hit! Donc, belle carte, sa signature, Ice Out, côté 4 sur 50. Good job à Maxime Marleau. Et on regarde vite fait, là. On a regardé vite fait sur Internet, là. Et elle vaut 95$ en ce moment. Elle se vend 95$ et même 126$ la dernière qui s'est vendue. Félicitations, Maxime. Hey, Stout. Si t'es familier avec Patrick Marleau, fais-moi savoir. On pourrait devenir amis. Gros hit. Non, mais mon humour est incroyable, les gars. Ok, donc. On va continuer normal. Brad Marchand, la peste. Mitch Marner. Oh, une Bing. Rookie. Ça, c'est numéroté, ça. Ça doit être une numéroté, mais regarde. Là, moi, je pense que celle-là, en dessous, va peut-être Bing, avoir ouais, autre chose. C'est ton chandail que je joue? Non. Là, je vais l'enlever juste au cas où, parce qu'il y a une rainbow en dessous, puis qui venait après. Fait que je veux juste m'assurer qu'on la voit pas. Hein. As-tu numéroté, ça? Donc, Nathan Bastian, Rookie Red. On va aller voir si elle est numérotée. Mais non, c'est juste une normale. Là. C'est pas une normale. C'est une red. C'est une red. Donc, c'est une normale red. Normal red. Nice. Ladies in red. Ladies. Donc, ensuite, la prochaine carte, je l'ai vue. Un gardien. On sait pas où il va aller, mais tout le monde l'adore. Red Rainbow, Marc-André Fleury. Est-ce qu'elle avait déjà joué son dernier match en uniforme de Vegas? On sait pas. Jeffrey Carr. Red Rainbow. Pas numéroté. Félicitations. Hey, c'est payant ce soir là, pour Vegas. Ouais, là. Parce que Vegas, souvent, comme je dis, le monde sont frileux de les prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc, c'est le dernier paquet de cartes pour les allures. Donc là, on va continuer avec, regardez bien, le premier qui me dit droite ou gauche. On va y aller. Donc, droite, gauche, on joue. C'est le premier, on va prendre. Let's go. Quand vous êtes prêts. Il y a un délai, on le sait. On a un délai. Hey, c'était une rookie. Oh.
Oui, c'est une rookie, on met ça là-dedans. On va prendre celle à droite, on va prendre celle-là vu qu'on a eu Yann Coron. Une rookie, oui. Blake Lizotte. C'est fou, par exemple, comment ils se ressemblent. Hein? Par exemple, les rookies, pas rookies. Là, désolé, ça, merci pour ton œil de lynx. De lynx, oui. Puis, juste vous informer, si, mettons, Maxime n'avait pas l'œil de lynx puis il l'avait pas vu, nous, après ça, on fait le ménage puis on les garde pas, là, on les jette pas. Puis tout ce qui est rookie, on refait le tour puis on les met puis on les envoie. Inquiétez-vous pas. Les Kings, c'était Maxime Jonf. C'est lui qui a... Ah oui, c'est en plus, c'est lui. C'est son équipe, fait qu'il... Max, tu suis à la game, merci. Donc, Dominique Caron qui était le premier à répondre. Fait qu'on va ouvrir la trilogie. Donc, ça, c'est une boîte que j'ai ouverte personnellement il y a 3 jours. Il y a des vraiment belles cartes. Toutes les cartes. Le petit sticker aussi. Le petit sticker ici? Non, elle est comme coupe avec ton exacto. Non, non, non. Donc, il n'y a pas de sticker. Ouais, il y en a un. Non, tu peux pas. Là, tu me laisses faire, ok? Ça durera pas longtemps, nous autres, si tu continues de même. Ah, oh, le micro de peur. Ok, c'était une façon là qu'on se chicanait. Ah, c'est drôle, hein? Bienvenue au show à Fred! Ok! Donc, Hugo! Donc, trilogie, on a 6 paquets. Ok? Ceux-là, c'est des vraiment belles cartes. Ok? C'est vraiment des belles cartes. Moi, j'aime ça. Même les ordinaires sont belles. Donc, le premier paquet, c'est sûr que je vais les laisser. Je vais les laisser. Les premières, même si c'est des ordinaires, je vais vous les montrer. Parce ouais, que Alex, Alex Abraham, il dit qu'on aurait dû, mais on a eu comme un petit problème technique, là, ça marchait pas, on sait pas pourquoi. Yes. On s'excuse. Non, mais on a essayé, mais ça m'a, c'est comme, regarde, on peut le mettre, mais si vous êtes capable de lire, tant mieux, sinon... Parce qu'Alex, toi, t'as... Ouais, c'est ça, c'est... C'est comme en ce moment, on voit pas super bien. Ça cache tellement les cartes aussi, là. C'est ça. Puis ici, puis là en plus, à cause de Wayne, faudrait mettre ça ici. Mettons, on peut tasser ça de même. Mettre Wayne là. Fait que là, on peut laisser le nom comme ça. Mais Alex, t'es Stars. Fait que comme ça, puis là, la prochaine fois, on va essayer de. C'est juste que là, j'ai pas vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit. Puis, hey! Il restait ça à ouvrir. Ouvre-le tout de suite. Fait qu'on ouvrira pas tout de suite celle-là. C'est un test, on voulait voir si les gens y suivaient. Ben oui. Fait que merci de nous faire confiance aveuglément comme ça. Donc, normal. Top 50. Kirby Dak. Lui, il y a une vidéo sur YouTube où il y a la petite toune de Kirby parce qu'il fait un. Il tourne sur lui-même. Prochaine ouais. Carte, c'est une White Rainbow de Brad Marchand. Donc, belle petite carte, ça. Et. Elle n'est pas numérotée. Donc. Boston, c'est Yann Coron qui a ça. Félicitations Yann. Yann Coron, ensuite on a une Zach McGowan rookie. Sébastien Aho, Thomas Hertel, et voilà. Donc ça va aller dans la pile des régulières. Et là, on revient à celui que j'avais, ok? T'sais, les cartes, c'est sûr qu'elles sont bonnes s'ils mettent 3 fois Wayne Gretzky sur la boîte. Moi, je pense que c'est ça. Puis là, si on regarde ici, c'est une tick déjà? Je sais pas. Ou c'est un décor? Je sais pas. On va le savoir. On va le savoir. On devrait le savoir. On devrait le savoir. Tu veux pas faire la technique du déposage pis t'as moins d'affaires dans tes mains? Mais je te dis pas quoi faire là. Je dis pas quoi faire gang là, mais... Non, c'est Marky Mark qui m'a dit ça. Ouais, Marty Mark hier là. Je sais pas si il est là ce soir. Marty, t'es pas là, man? Ok! C'est-tu collé ça? On commence avec une petite trilogie. Trilogie Rookie Redemption. Rendition. Rendition. Mais je te dis pas quoi faire encore là. Rendition Cole Sherwood. C'est Cole Sherwood. Ça, c'est le cousin à Tyler CCM. Donc, prochaine carte. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de zoom. Fait que je trouve que c'est. C'est pour ça que je la rends pas. Oh! Level 1, une trilogie. Pour Boston. Et pour Boston. Trilogie sur 999. Il y a le decoy en arrière en passant. En plus, il y a un decoy. Donc, trilogie Rookie 1, Level 1, morceau de chandail. Zach Zinus. Jeunesse. 6 pieds 1, 192 livres. C'est fou. Et numéroté 80 sur 99. Donc, belle carte, ça. Félicitations, Yann. Donc, Yann qui est plutôt discret ce soir sur le chat. C'est Alex Debrinka normal. Alex Debrinka et son double menton sur cette photo.
J'attendais un rire de mes camarades, mais non. Ah, salut, Yann. Dominique Caron qui est sans mots depuis deux phrases. Donc, première carte, une petite Marc-André Fleury Vegas trilogie régulière. Mais... passer beaucoup trop de temps sur une carte normale. Mais non. Ensuite, on a une petite Rookie Redemption. Redemption. Renton Gignac. Donc hier, je pensais que c'était un franco-ontarien, mais non, c'est un Québécois. Tu peux la prendre. Ok, parfait. Merci, monsieur. Prochaine carte. Donc, il y avait un decoy, donc peut-être ça cache quelque chose. Donc, une Nico Storm du Wild du Minnesota, numéroté. Red. Red, 424 sur 799. Dominique Caron. Dominique Caron. En dessous, on avait une régulière. Donc, félicitations, Dominique. Tu peux continuer à marquer des petits points. Sur des petits aides, même affaire. Merci. Ok, go. Ouais, exact. Le Wild à soir, puis Vegas, pour deux équipes qui frappent jamais rien habituellement, ou qui n'est pas supposé, ça frappe fort, je trouve. Donc, la dernière, on sait toujours que c'est quelque chose qui vaut pas grand chose. Mais pas qu'il vaut pas grand chose, c'est juste que c'est pas une carte prestigieuse du paquet. Donc, c'est pour ça que je n'énerge pas de la poêle à spoiler. Une de Larkin, régulière. Ensuite, on va avoir une petite Rookie Redemption. Redemption. J'imagine, je dis pas quoi dire. De Nikita Gusev. Belle carte. New Jersey qui est à Nicolas Bellin. Donc ensuite, on a une Rookie Premier Level 1 de nice. Philippe Meyer. Numéroté 160 sur 999. Belle carte, les Flyers. Donc Maxime Pelletier, belle carte. Ça va être dans Rookie Premier. Ensuite, on a un petit decoy. Donc, est-ce que ça annonce quelque chose de bon? Jonathan Quick. Régulière. Donc, on sait que dans la carte, ça va être une Matthew Barzal. Donc, ça, je vais pouvoir aller vite tout à l'heure. Régulière, Matthew Barzal. Ensuite, Brovski, régulière. Prochaine carte, une Victor Advitsyn régulière, une Ryan O'Reilly régulière. Et ensuite, nous avons, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait, c'est une belle carte ça. Ça, c'est une belle carte ça. Ah ouais? C'est une belle carte, j'aime le joueur. Ok. Regardez bien, une petite... Ah, attends, il y en avait une autre en dessous. Nick Suzuki! Ooh, nice! Rookie Rendition! Là, j'ai dit pour vrai pour la première fois. Perfectly. Est-ce qu'il est numéroté? Non. C'est le Rad. C'est une belle carte, pareil. C'est une très belle carte. Si des fois je cache, là, c'est parce que justement, j'essaie tellement de faire attention au coin que mes mains sont devant puis je m'en rends pas compte parce que je veux vraiment pas de chaud au coin. La prochaine carte, là, c'en est une belle. C'en est vraiment une belle. Okay? Oh oui! Donc là, mettons, là, je vais juste dire. À Monsieur Pierre Cadieux, je sais pas s'il nous regarde. Vous avez une belle carte, ça revient. Vous avez une belle carte. Pierre Cadieux? Pierre Cadieux, regardez bien. Mais j'ai dit Pierre Cadieux, mais c'est parce que la garde est transparente. Je veux que m'excuse, Pierre. C'est pas Pierre? Parce que Pierre, il y avait celle-là, qui est la dernière. Là, je m'excuse. Je m'excuse. Fait que là, finalement, c'est les 30 autres qui pourraient peut-être avoir cette carte-là. Oh my god. Ok. Ok. Mais c'est qui, mettons? Je vais même la mettre de côté, là. Regardez là. Une vitre. Puis il y a une signature, je pense qu'on l'a vu. Je pense que j'ai une signature là. Ok. Mais c'est quelle équipe, mettons? On le dit-tu ou on monte le joueur? Je sais pas. Mais moi je l'ai vu. Oh ok. Donc une petite Matt Murray! Ice Crips! Signé! Trilogie Mac Murray! J'ai jamais vu une carte comme ça jusqu'à présent. Débile! Incroyable! Pas le meilleur joueur? Holy shit! Pas grave ça. Pas le meilleur joueur. Mais la carte est débile. La carte est débile, la carte elle vaut-tu de l'argent? Sébastien Vachon, félicitations. Good job, Vachon. Il y a une petite Ice Crypts qui s'en va chez vous. Nice. Mais là. Ouais. Donc on t'envoie ça. Mais c'est fait avec de la vitre, comment?
Savez-vous ça? Plexiglas, genre. C'est avec un morceau de bande, ça? Non. Notre gars d'eBay dit que ça vaut 70$. 70$. On va arrondir à la hausse. Mais là, c'est pas grave ça, man. Mais c'est une vraiment belle carte. Fait que quand même, c'est un hit, là. On s'entend que ça coûtait 28$, là. Dans... Fait que là, il a déjà doublé. Peut-être même triplé, là, parce qu'on sait pas la carte, là. Mais moi, je trouve que c'est un hit. Avoir une carte de même, moi, je serais content. Collectionneur, je suis content. J'en reviens pas, man. J'espère que Pierre garde pas, man, parce qu'il va être déçu. J'ai fait à croire, man, qu'elle allait avoir de quoi de bon. Hein. Oh my god. Donc, Sidney Crosby. Donc, on continue sur les pingouins. Des pingouins. C'est la carte qui a été frappée par la rondelle de chez Weber. Je comprends pas. Je comprends pas le gag. Ok! Donc, on continue avec une petite Guillaume Brisebois, trilogie Rookie Redemption. Est-ce que. En dessous, on a un petit decoy. On met ça dans un. Vancouver, petit... Maxime Marleau, ça va chez vous. Donc, un petit decoy. Et on a une petite ici. Rookie Redemption, rouge. Red. Oh, il y a de quoi en dessous. Mais il n'y a pas. C'est une carte normale. Mais sinon, celle-là, c'est une numérotée 344 sur 799 de Oliver Wallstrom. Donc, belle carte. New York Islanders qui s'en va à Pierre Cadieux, le fils de. Le fils de André Cadieux. Je sais pas. André ou Pierre, c'est moi, c'est deux noms. Ah, Pierre, excuse Pierre. C'est deux noms de père, man. Ça pourrait être le père de l'autre. Les deux pourraient être pères. André ou Pierre, même affaire. Hey, on le connaît, là, on a le droit de le taquiner. Puis une Carter Hart, normal. Donc, il reste un paquet pour la trilogie. Après ça, on saute au ice. Fais ça vite et on va. Ça fait déjà 53 minutes qu'on est là. Je sais que vous avez bien du fun avec moi, mais je suis drôle, mais après une heure, je commence à taper ses nerfs. Ce sera un moyen temps. Donc, faut aller vite. C'est Matt Murray. Ensuite, la prochaine carte en dessous, c'est une Rookie Redemption. Frédéric Côté, Karl Makar. Karl Makar. Donc, très belle carte, Karl Makar. Il est-tu bon, lui? Il est beau. Il est correct. En dessous de ça, il y a. Oh! Ensuite, en dessous, il y a quelque chose. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Puis je vais juste montrer l'endo de la carte. Ça fasse en plus gros. Ça fasse en plus beau. Ma blonde, elle me dit arrête d'écœurer, de niaiser Fred. Oh. Ben, à cause qu'elle dit que j'étais pas drôle. Ok, sur le chat? Ouais. Je lisais pas. Ok, non, non, prochaine. Non, sur le chat, elle m'a texté. Ok, donc une rookie première de Kirby Dack, level 1. Donc, Chicago, numéroté, Daniel Cadieux. Numéroté 709 à 999. 999, c'est ça. 999. Belle carte. Donc, belle carte ici. Merci. Ensuite, on avait un decoy. Jack Eichel. Donc, savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire, souvent vous le savez, mais ils mettent des decoys dans plein de paquets de cartes. Parce que, justement. Ils font en sorte que tous les paquets de cartes soient de la même grosseur, pas que le monde qui les touche sache, ah ici, là-dedans, il y a une grosse carte. Fait qu'ils mettent tout ça pour être sûr que tout le monde aille. Que tu puisses pas, comme, tricher en touchant les paquets de cartes. Je savais pas ça. Puis, je voulais vous l'expliquer si vous me demandez pourquoi il y a des. Les decoys. C'est pas des faux espoirs. C'est juste pour, justement, éviter les tricheurs. Donc ça ici, on va les placer ici comme ça pour l'instant. Elle est où Maurice Richard signé, bro? Elle est... Dans pas long. Là-dedans? Y'en a-tu là-dedans? Je pense pas qu'il y ait sa checklist. Je pense pas qu'il y ait sa checklist de aucune... Il est mort depuis un bout, hein? Je pense pas qu'il ait signé ici des stickers... Je pense qu'il a signé des stickers il y a 24 ans, si ça va, que là, ils les ont gardés aussi longtemps que ça. Excusez, il me fait rire, j'ai de la misère à me concentrer. Fait que là, on ouvre la ice. J'ai tout le temps les belles cartes aussi. Donc, là-dedans, on va avoir 6 paquets de cartes aussi. Max, il dit, Max, Jean, il dit, Maurice Richard signé rookie 1 sur 1. Je suis persuadé qu'il y a un gars qui s'appelle Maurice Richard, vivant, qui va être rookie. Oh, le paquet. J'allais dire, le paquet a l'air lourd, fait qu'il doit avoir quelque chose de bon là-dedans, mais non, ça s'est arrangé pour pas qu'on puisse le savoir.
Sinon, ça enlèverait tout ce que je viens de dire en disant que c'était pour éviter de tricher. Mais elle est lourde, fait que ça se pourrait, là. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Friday! On s'en va-tu par là, tu penses? Ok, il y en a une tic là-dedans, là. Une tic. Tu penses? That's what she said. Donc, on commence avec une régulière, Tommy Dougie Hamilton. Ensuite, une. Celle-là, de Moulin et Bass, on va les envoyer. On va les envoyer, les autres. On va les envoyer. Ouais. Dans le fond, là, les premières. Les premières, ceux-là, on vous les, on les envoie. Ouais, on les envoie. Okay? On les envoie. Puis ça compte pas dans vos hits, en bon sens. OK? Prochaine carte. Une Max Domi. Il y a un decoy en dessous. Max Domi. Green. Green, Max Domi. C'est tout? Non, mais j'allais faire une blague avec les pommes pourries, mais elles sont pas vertes, fait que ça marche pas. Une première de Sheldon Dries. 31 sur 999. Avalanche qui s'en va du Colorado, qui s'en va à Frédéric Côté. Félicitations, Fred. Good job, c'est la première première qu'on a. Transparente en plus. Avec un petit peu, regardez, une petite teinte de verre. Là. Dans le top. Ouais, c'est-tu des montagnes ou c'est juste, mettons. Hein, c'est de la glace. Je pense que c'est des montagnes. Ouais, ça a l'air des montagnes. Ça, c'est de la glace, par exemple. Merci, monsieur. Bon, on va aller plus vite. Hey, puis en passant, Steve, je sais que t'aimes bien les Oilers. Fait que pour ton paquet hier, moi, dans mon break personnel, j'avais eu une McDavid normale de Trilogy. Puis je te l'ai mis dans ton paquet parce que mon client, je cadette, puis on aime ça. Donc, c'est celle-là. Hein. Celle-là, elle va être à toi. Parce que c'était mon break il y a deux semaines. Là, je te le dis en direct. Ça fait pas deux semaines. Mais non, ça fait pas deux semaines, ça fait quatre jours. Quatre jours. Mais on a filmé à tous les jours cette semaine, c'est que c'est ouais. Le fun. Oh, je vais avoir de quoi en dessous. Donc, ok, en dessous de la green, il y a une méga. Ensuite, on a une Barkov. Ok. On a une Barkov. Green Barkov. Numéroté, non? Green. Ensuite, prochaine carte. C'est une Brad rookie Oden. Exquisite. Donc, une ouh! Rookie exquisite. Sur 100? 46 sur 199. Signé. Nice. Donc, ça, c'est une carte qui est lourde en plus. Oh, ouais, elle, je vais cacher la prochaine parce que c'est une belle. Donc, une carte large. Rangers, donc, New York Rangers, ça s'en va à Marc-André Taillefer. Félicitations. Wow, elle est belle. Ensuite, prochaine carte. Une petite première, donc de Brad Sénin, des Devils. Donc 403 sur 499. Et Mark Brennan. New Jersey, Nicolas Bellan. Belle carte. Prochain paquet. Hey, combien notre boîte de Engram en boutique? Je sais pas, on va checker sur le site d'être là. Je suis en train d'essayer de mettre un collant sur la dernière carte. Donc, Ryan O'Reilly, donc régulière. Ensuite, on va avoir une Green, Nico Hischier. Beaucoup de Devils. Il y a beaucoup de Devils qui sortent souvent, je trouve, dans les cartes, pour de vrai. Il y a beaucoup de cartes des Devils. Ensuite, on va avoir un Decoy. En dessous du Decoy. J'ai une Sub-Zero. Première Sub-Zero. Une petite Sub-Zero. Sub-Zero, c'est exclusif à Ice. Et la petite Sub-Zero, elle est transparente sur le dessus. Fait que je vais essayer de la prendre tout de suite. Faut pas qu'on voit l'autre au cas où que ça soit une 24. Non, c'est une régulière, fait que ça me dérange pas. Sub-Zero, Nikita Kucherov. Donc ça, c'est une carte qui est transparente. Alors moi, je les trouve belles, les Sub-Zero. Nikita Kucherov. Ça s'en va où ça le Lightning de Tampa Bay? Ça s'en va à Dominique Caron. J'en parle plus. Regardez ça la belle. C'est une blue. Ça c'est la carte de tout à l'heure. Sinon la Sub-Zero pour répondre à la question de Steve, c'est une blue. Parce que s'il y en a qui sont willing après ça, on peut ouvrir un N-Grand aussi. Là. On peut vous les faire au prix, puis on se fait passer à 4, puis on ouvre le paquet de cartes à 4, puis on se le sait pas. Là, hein. John Gibson,
Jeff Skinner. La prochaine, je sais que c'est quelque chose de spécial. C'est une Evander Kane Green. Vous voyez, à date, on a deux verres. Je voulais faire une joke de pomme pourrie. Mac Domi, lui, pomme pourrie. Deux pommes pourries. C'est vrai. C'est deux gars que tu veux pas dans ta chambre. C'est que c'est une brune, c'est pas une verte. C'est ça, c'est le problème. Là, c'est une belle carte qui s'en vient. Là. Je vais vous la placer, en plus, ça se met de côté. Une Rookie Relic Jumbo. Jumbo Relic, nice. New York Rangers. Encore? Brett Oden, donc Rangers de New York, là, payant. Mais McAnany Taillefer, c'est lui en plus. Lui, là, McAnany Taillefer, il a participé à ce break-là parce que il a gagné la loterie parce qu'il avait rien deuxième eu chance. de première. Donc, il a réussi à avoir un méchant beau hit qui a pas coûté grand-chose, hein, vu qu'il a eu une deuxième chance. Sans... Voyez-vous, c'est 180 sur 199. Nice. Donc, un petit morceau de jersey ici. Beau gros hit. Ouais, good job. Good job, Marc-André. Vraiment Savage! C'est exactement ça qu'il vient de dire. Savage! C'est ça qu'il vient de dire, Maxime Taillefer. Pourquoi j'ai averti ma voisine hein, quand je fais ça? Parce que là, je commence à criquer de même. Hein. C'est Nick Crosby. Régulier. Plus de voisine. Ben, moi, ça me dérange plus de clore de voisine. Snake Crosby base. Yes, donc la dernière, on a vu, c'était une base de Jimmy Benn. Mais la première, c'est une Mitch Marner base. Ensuite, on a une Nolan Patrick. Moi, juste Green. Green. Et là, on a un petit decoy. Decoy. Donc, le petit decoy, d'habitude, ça veut dire quelque chose. Des fois. Ça veut... là, en dessous, on a une petite. Premier, Saint-Louis, Mitch Reinke, une 1234 sur 1299, mais là peut-être, là, regardez bien, là. Juste le fait là, que ça soit 1, 2, 3, 4, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à payer 4-5 piastres de plus juste eBay, parce que c'est 1, 2, 3, 4. eBay one of one, c'est sûr. Mais c'est vrai. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est sûr. Je vous le dis. Donc, Jonathan Huberdo, Jamie Benn. Je te dis, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. C'est juste que je dis c'est vrai d'une drôle de façon. Comme par exemple, tu sais, mettons là, les allures qu'on avait tout à l'heure. On avait aussi des Orange Slice. On en a pas eu aujourd'hui. Mais des Orange Slice, si c'est une équipe qui vient de la Floride. Ah ouais, c'est bon ça. Tu peux gagner. T'as un peu plus d'argent parce que. C'est vrai. Au moins 30 cents. 2 piastres. Minimum. Dernier pack. Après ça, on passe aux pièces de résistance. Ok? Maxime Jean fait une carte à 12 et 34. 1, 2, 3, 4. Mais pour vrai, là. Sérieux, elle est bonne, la joke. Ouais. Mais Maxime Jean, pour vrai, écris-moi en privé pour deux choses. Ma blonde est graphiste. Puis en plus, je pourrais te donner une carte, là. N'importe laquelle, là, m'a donné une carte que j'ai dans mes affaires pour une boîte de Meltan Pokémon, s'il vous plaît. C'est vrai, il y a des boîtes Meltan. Si vous voulez des boîtes Meltan à Pokémon Go, allez voir Maxime Jonf, il y en a avec sa Switch. Max Zuccarello, Green Card. Oh, okay. C'est pas une... Une première, Ilya Samsonov, gardien d'avenir. Sur 2,49, nice. Gardien d'avenir des Capitals. René Oldby va sûrement quitter à cause de Samsonov. Ils ont donné quelques départs cette année, mais l'année prochaine, c'est sûr, c'est lui qui part la game, qui part le match. Les Capitals. Donc, 156 sur 249. Puis, Washington appartient à Maxime Marleau. Ils sont belles, les premiers. Leon Dreisaitl, régulière, Brett Burns. OK! Donc là, ça ici. Donne-moi ça. Dans le fond, je te donne tout. Ouais, tu me donnes tout depuis tantôt. Non, je te donne pas tout. Attention. Drew Doughty, attention. Et on va ouvrir des End Green. Oui, je veux des Meltan. J'ai passé une heure. Pour ceux qui connaissent Pokémon Go, là, j'ai passé une heure à marcher sans arrêt, à lancer des baies à Nana pour avoir Meltan parce qu'il y a 400 bonbons. Je sais absolument. Moi, j'aime ça Pokémon Go. J'aime ça Pokémon. Puis on va avoir des. On a des cartes Pokémon. C'est juste que ça vaut cher. Puis il n'y a pas autant de fans que de monde de hockey. Fait que, tu sais, faudrait être plusieurs. Puis on s'ouvrirait une boîte. Moi, je participerais à ouvrir la boîte de Pokémon. J'adore Pokémon. Ah ouais, le dessert. Tu peux pas mieux dire. Une petite Angreen. 2018-2019 en plus.
Donc, belle boîte. Une ingrine. Il y a combien là-dedans de... Hey, c'est large, hein? On dirait un sandwich. Comment faire une mini incision ici, là? Là, je présume que là-dedans, ça doit pas être à la fin, ça doit pas être une mauvaise place. Non, c'est tout dénuméroté. Mais c'est comme dessus, en dessous. Mais ça dépend. Il y a 7 cartes. Steve, il sait, il y en a ouvert plein. Mais... C'est juste que je veux vraiment bien faire ça, puis je veux pas spoiler personne. Fait que là. Comment je fais ça? Regarde, je vais l'enlever 2 secondes de la caméra, là. Puis je vais. Juste faire ça. Pour pas que vous voyez. Ben là, c'est ça ici, c'est encore le même paquet, c'est juste que je veux l'ouvrir. Ouais, mais ouvre en arrière. Je suis fatigué, hein. Bon. Gros, on dirait que genre, je suis en fort voyant. Bon, okay, Max, il veut ça. Oui! Ok, donc c'est là qu'on va voir si Maurice Richard, 1 de 1 rookie, va être là. Ouais. Première carte. Une marque Messier. Je vais la cacher, puis après je vous en parlerai un peu. Marc Messier. Engram. Ça, c'est le deuxième pointeur de la Ligue nationale. Côté, il s'est gradé. Pas gradé, mais c'est une 006 de 299. Pas loin de son numéro de shirt. Ça, c'est bon, ce numéro de shirt. Ouais, c'est vrai aussi. Si ça avait été une 11, ça aurait valu encore plus cher. Ça aurait été vraiment bon. Mais ça, oui. Là. Mais pas 1, 2, 3, 4. Je pense qu'un 2, 3, 4, ça va marcher. Mais bref. Bon. Ok, dans le chat, j'aimerais ça que vous nous dites si 1, 2, 3, 4, vous pensez que ça vaut plus cher. Un peu, pas beaucoup. Donc, Lévesque. Gino Lévesque s'est retrouvé avec une carte, une belle carte. Ensuite, prochaine carte. Une rookie. Engram de Michael Rasmussen. Detroit qui est à Nicolas Bella. Félicitations. Prochaine carte. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Hein. Bon show. Ouh. Ça c'est bon ça. Une rookie signature shot. Pour les Ducks. Sam Steels. Merci Nicolas Bédard de dire sûrement un peu. Mais sinon, si on revient à les choses sérieuses, 101 sur 249, rookie signature, Sam Steels. Donc ça, c'est un morceau d'équipement signé. Morceau de carbone, donc du bâton. Yes. C'est qui a les Ducks de Anaheim? Francis Davidson, gros hit. Check la patch là-dessus. Ouf. Check la patch. Brin d'amour, Caroline. Steve Terrien, good job. La patch, 8 sur 15. 8 sur 15. 8 Ouh! Sur 15. Engram. Ça, là, Rod Brin d'amour. Quel leader. Il est coach en ce moment en plus. Coach Gary King. C'est lui hein, qui est coach en ce moment. 8 sur 15, wow. Wow, quelle belle carte. La patch est nice. Hein? On va mettre ça dans une petite sleeve, une grosse sleeve. Ouais, c'est ça. En ce moment, Maxime, là, il reste 3 cartes. Une rookie. Je vais l'enlever. Une rookie signée de Henry Jockey Arju. Désolé. Elle n'est pas numérotée, mais c'est une signature. Donc c'est sûr que ça vaut quelque chose. Ça. Donc les Blackhawks de Chicago, Daniel Cadieux. Nice. Félicitations. Très belle carte. Hein? Ensuite, je vais la regarder juste si j'aime ça. Donc on a une belle petite carte. Une petite rookie, Engram, Dylan Dubé, 34 sur 49. Wow. C'est une rookie? C'est une rookie.
Wow. Donc ça a de la valeur. Calgary. Nicolas Bédard. Nicolas Bédard ou Nicolas. C'est vrai, faudrait que je prenne une petite bière. Une petite Beach Everyday. Beach Everyday! Ok. Donc, félicitations, belle carte. Il en reste une. J'espère qu'elle va être belle. Je sais pas. Je sais pas non plus, vu que c'est la dernière. Vu que c'est la dernière. Donc, Nadam Godette Rookie signé. Donc, vous avez vu dans mon intonation que c'était pas une Maurice Richard de 1 de 1. Mais non. Quand même, Vancouver, belle carte pour toi, Vancouver, Maxime Marleau. Pour vrai, c'est sûr que n'importe quelle carte que tu as dans une Ingrain, tu es content. Donc, là, pour l'instant, lequel. On va montrer, on a fini. Donc, ça a été vraiment cool, mais là, on va vous montrer les belles cartes qu'on a eues aujourd'hui. Donc, celle-là, là. Ouais, celle-là, c'est la plus belle, moi, d'après moi. Moi, je la trouve vraiment belle. Sinon, là, la petite Clayton Keller, pour vrai, on pensait qu'elle valait pas grand-chose, mais c'est 15$, là. T'sais. Bon, on pensait qu'elle valait rien. Celle-là ici, là, la Elvis, là, il est tellement populaire, il faut y en tirer parti. Elvis Toico? Mais la Quinn Hughes ici. La Quinn Hughes, là, signée, numérotée, Ice Out. Celle-là, pas payé pantoute. Ouais. La Ice Scratch, Matt Murray. Celle-ci, c'est une belle carte, super épaisse, avec comme on dirait un morceau de plexiglas. Ouais, donc on me demande de la. Non, je ferai pas ça. Mais sinon, là, ici, là, la robe brin d'amour, avec le morceau de chandail. Jean-François Raymond fait dire que t'es aussi drôle qu'une Maurice Richard 1 sur 1. Yes! Ça veut dire que je suis vraiment drôle. Ouais, ou t'es rare. Donc 8 sur 15. Félicitations, hein. Pour vrai, nice. Ça c'est. Moi, c'est ma préférée dans le paquet à soi. Celle-là? Ouais. La patch? Ouais. Ouais, vraiment nice. On va y mettre un petit. Sinon, on a la Rasmussen qu'on a eue. Puis, avec le morceau de bâton, le Sam Steele. Elle est vraiment épaisse, on n'a même pas le top loader. Quoi. Francis Davidson, on n'a pas le top loader. Non. Elle est plus épaisse que les super épais. Super épais, ouais. Ok. On va aller en trouver demain. Hey, bon. Merci tout le monde. Demain, on fait le tirage deuxième chance. Puis, moi, je ship toutes les cartes du dernier break de dimanche, puis le break d'aujourd'hui. On va sortir un autre break pour dimanche aussi. Mais là, mettons là, qu'il y en a 3-4 qui feraient « Hey! On veut ouvrir une ingrain ensemble. » Let's go. On est là. C'est combien? Combien, là? 249. Donc, 249$. Parlez-vous. Si vous voulez être 4-5, on peut faire ça. Si vous voulez être 6, ça va être, on va faire un ordre différent. Parlez-vous à vous autres. On peut revenir avec ça. On peut faire un break. Allez voir sa boutique. Parlez-vous. On peut en ouvrir un après. Ça peut être aussi les autres boîtes, c'est pas tout le même prix, l'Ingrand. C'est sûr que c'est la plus dispendieuse. Allez dans la boutique, revenez, moi, mon setup est fait. Fait que je repasse ça dès que j'ai des confirmations. Fait que. Vous pouvez continuer à parler en dessous du vidéo si vous voulez vous jaser. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé à notre premier break complet. Ça, on est vraiment contents. Fait qu'on va se voir pour le prochain break. On revient avec plus de détails la prochaine fois, vous dire les boîtes qui vont être dedans. On n'oublie pas, on peut aussi acheter les cartes Pokémon, baseball. Ok, Pokémon, j'aime bien ça. Fait que s'il y a du monde. Donc là, tu vois, j'ai Maxime Pelletier qui est down pour une boîte. J'ai Dominique Caron qui est down pour une boîte. Donc là, moi j'en ai deux. Pour vrai, on peut vous sortir n'importe quelle boîte. Là. Si vous voulez qu'on ouvre finalement à deux, vous dites une Ingrain, vous voulez pas. Hey, on ouvre une Ice. C'est combien une Ice? Sur le site SavageCardsBreak.com. Donc allez sur SavageCardsBreak.com. C'est par exemple. Montre-le sur l'écran. Je sais pas si on va le voir. Fait que là, on a la allure à 134. Taxe incluse, shipping inclus. Taxe incluse, shipping inclus. 149 pour la Ice, 134 pour la trilogie. Ça, c'est bon, ça. 119 pour les Young Gun. 254 pour les Ingram. Donc, sur le site, on n'a pas un rabais à soir. Non, monsieur. Malheureusement, on n'a pas le temps. Pas à ce prix-là. Parce que en ce moment, vous payez, c'est à peu près. Vous pourriez sur internet, vous ne trouverez pas ça à ce prix-là. Donc, ou vous allez les trouver, puis vous allez les breaker. Puis vous n'auriez pas de petits sleeves, mettons. Parce que j'ai déjà vu une celle-là à ce prix-là. Mais c'est comme le prix, je crois. Avant taxe. Non, c'est ça. Mais nous, c'est taxe incluse! Taxe incluse. Donc, on vous laisse méditer là-dessus. Vous pouvez vous parler, puis revenez avec ça, puis écrivez-nous, on va vous répondre tout de suite. Sur ce, je vais arrêter le stream.
Peace out. Ciao.